Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite du challenge Sims of Amber, que Caro Sims a lancé sur sa chaîne. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, donc passons pour ce thème qui est Disney. Pour Disney, je pense qu'on est d'accord, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a quand même pas mal de possibilités dans ce thème. Donc voilà, alors j'ai voulu partir. Enfin, j'ai fait plusieurs choix, hein. Vraiment, mais en fait j'ai voulu faire un méchant Disney, entre guillemets, hein. Je dis méchant parce que voilà, il faut bien des méchants et des gentils dans les Disney, mais en général les méchants ils sont gentils, enfin bref, voilà, passons. Donc ce que j'ai fait, si vous n'avez pas remarqué ou pas, en fait j'essaie de créer Maléfique. Alors vous savez pas, mais il y a un dessin animé et des films, enfin un film, enfin deux maintenant, puisqu'il y en a un qui sort au mois d'octobre. Donc le 2 bien entendu, et du coup bah qui est joué forcément par Angelina Jolie hein, dans le film. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné les deux, dessin animé et film. C'est pour ça qu'elle a la peau verte, parce que dans le dessin animé elle a la peau verte. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas blanche comme dans le film. Donc passons. J'ai essayé de te ressembler à Angelina Jolie, hein, sachant que vraiment j'ai un peu de mal à reproduire les Sims, donc j'espère que ça y ressemble un minimum. En tout cas, voilà, quoi, moi ça me plaît comme ça. Alors par contre, ce que j'ai galéré à trouver, c'est quoi mettre au niveau de la tête. Parce que c'est vrai que vous savez, mais elle a des cornes sur la tête dans le film et dans le dessin animé. Du coup, pour trouver des cornes, il y en avait, mais c'était pas du tout ça, ça ressemblait plus aux Jedi, quoi, limite, ce qu'on trouve dans les Jedi, là. Et je crois que c'est ça, je suis même pas sûre en plus de moi. Donc c'est pas grave, passons. Mais il y en avait des cornes, mais ça tombait par le bas. Mais elle, ça monte vers le haut, donc du coup ça n'allait pas. Donc du coup j'ai trouvé cette coiffure qui pouvait correspondre, entre guillemets, parce que c'est vraiment très large. Donc voilà. Donc j'ai trouvé cette coiffure. Et du coup bah, j'ai fait aussi au niveau de ton visage, j'ai bien fait des traits très fins et très creusés. Vu dans le film, elle avait vraiment les joues très creusées. Voilà, et puis pareil pour les tenues, bah c'est pareil, j'ai un peu galéré aussi, il n'y avait pas forcément les mêmes robes qu'elle avait dans le film et dans les animés, donc du coup j'ai un peu galéré aussi pour trouver des tenues. Mais sinon, voilà, donc je suis quand même assez contente de moi quand même, c'est déjà le principal, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à participer si vous avez envie, hein, même faire en mois de décembre si ça vous arrange. Franchement, il n'y a pas de date vraiment précise, non, enfin en mois de novembre parce que voilà, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé quoi. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère qu'alors vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, bye!